carré là. Mais non, c'est pas trop mal, il y a une pioche. C'est que cette carte là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à la Pierre Saint-Martin. Donc on est une journée ici pour passer une randonnée en raquette. Donc on est parti avec les personnes du village, juste à côté du nôtre. Donc ils organisaient une sortie aujourd'hui à la Pierre Saint-Martin. Donc en activité, il y aura l'igloo, il y aura une promenade en raquette. Et il y a eu les dégâts au niveau de la luge. Donc voilà, je vous mettrai quelques petites séquences. Vous allez voir, on a bien rigolé. Et franchement, on continue à bien rigoler parce qu'on s'enfonce dans la neige. Donc franchement, c'est une bonne partie de rigolade. Et toi, tu rigoles? Non, je rigole, j'ai perdu les dents. Oui, on rigole. J'ai pas l'habitude de marcher avec des raquettes. C'est juste une horreur. Voilà, il faut bien écarter les jambes, sinon... Pourquoi faut pas les attacher? Mais si tu les attaches pas, tu tombes. Mais non, justement, moi, ça c'est le regard. D'accord. Bon, allez, je vous emmène avec nous dans la balade. Non, tu vas lui prendre son bâton. Il lui pique son bâton. Au revoir. Tu as soif? Regardez-moi ça. Même Noël a mis les raquettes. On va faire un tennis. Donc on est accompagné d'un guide, bien entendu. Comment on est stylé, franchement. Youpi. C'est parti du coup pour la petite balade en raquette, en file indienne. Ah, on va souvent m'entendre crier. Hein. C'est pas trop haut parce que les raquettes elles vont tomber. Là, c'était juste le ciment. Bien, sautez pas trop, sautez pas trop. Youhou! Ah, franchement, ça résonne. Vous allez y aller, vous allez commencer à vous déchauffer. La construction de l'igloo. Là. Vous voyez, ils sont pas encore. Vous voyez, ils bougent. Donc, s'ils bougent, c'est parce que. Il n'y a pas assez de ciment. Il n'y a pas assez de ciment. Et voilà, le plâtrier, là, ils sont en vacances, les plâtriers. En vacances, les plâtriers. Et la balance. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que maintenant... Joachim et... Allez, plus loin. Allez. Donc là, ils sont en train de créer une porte à leur igloo. Donc on construit d'abord l'igloo entièrement. Voilà. Et après, on vient faire la porte. Allez, venez voir là. Jojo, ça va? Plutôt, Non. Ça fait souvent de voilà, et alors, les garçons, après vous pouvez remonter un petit peu là, voilà, là où j'ai tracé, regardez. Là où j'ai voilà, voilà, et là petit à petit, voilà. Faites attention les gars, allez-y, cool, parce qu'ils sont derrière. Hein. Après c'est pas mes enfants, donc vous pouvez les retrouver, mais quand même. Voilà. Il manquait pas d'oxygène. Voilà, voilà, tu vois que là où c'est délimité là? Tu vois, j'ai fait une trace, il faut pas que tu ailles au-dessus. Il manquait pas d'oxygène là-dedans? Non. On est en train de... Attends. On est en train de délivrer. Le bébé arrive. Non, attendez un peu les gars. Ça y est, on est en train d'accoucher les bébés là. La montagne a accouché de dessous. Voilà, quand vous venez dans nos montagnes, au niveau de la neige, ce que vous pouvez faire avec les enfants, ce qui est pas mal,
c'est de prendre des pelles et vous pouvez construire un igloo. Franchement, c'est topissime, ça les amuse, ça les occupe. Après, un adulte peut descendre dans une pente sur le cul et créer un chemin d'accès et ça lui fait une glissade et ça peut faire un toboggan. Voilà, vous pouvez prendre des raquettes également et vous pouvez vous promener et faire des longues balades ou des petites balades si les enfants sont beaucoup plus petits. Mais en sachant que nous, les plus petits, je crois qu'ils avaient 3 ou 4 ans. Et franchement, tout le groupe a suivi. Donc voilà, une balade d'à peu près 200 mètres, je crois. Je sais pas, faudra que je demande et que je vous préciserai justement juste en dessous combien on a parcouru au niveau de la balade. Pour vous dire en fait si vos enfants sont susceptibles d'y arriver, mais les balades se font absolument en fait en raquette. La neige est beaucoup trop friable et pas assez solide en fait pour maintenir le corps dessus. Donc voilà, si vous voulez pas vous enfoncer, n'hésitez pas à acheter les raquettes. J'en ai vu à Decathlon, je crois à 20 €. Franchement, c'est pas cher et ça vaut le coup. Après, voilà, vous pouvez les louer, les remettre sur Vinted si vous voulez les revendre et pas y râler l'année prochaine. Voilà, nous, on est à 1 heure des montagnes, donc ça nous permet effectivement d'investir dans ce genre de matériel et de le garder les autres années ou même de le prêter à ceux qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le budget. Voilà, on peut les prêter, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette balade à travers les montagnes vous aura plu. Donc, on était dans les Pyrénées Atlantiques, dans le 64. Donc franchement c'est trop agréable, en plus il y a le soleil qui était au rendez-vous, il y avait à peu près 11 degrés, 10-11 degrés, donc voilà. Et là même les adultes et les enfants en fait s'amusent comme des fous à des batailles de neige, ça aussi ça en fait partie. Donc voilà, donc franchement c'était top, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt.